L'histoire commence déjà il y a une année. Donc j'étais à Montréal en février dernier, février de l'année passée. Et puis, comme tout nouvel arrivant, j'avais des ambitions, j'avais des rêves, j'avais des Bien projets. personnellement, je dis toujours que le Canada, c'est un pays le plus beau du monde, mais à condition que tu sois dans le marché du travail. Tout simplement. Personnellement, je suis comptable de formation. J'avais déjà exercé par le passé en France, d'où je viens. Et la réussite ici, c'est que non seulement j'ai cherché en comptabilité, j'ai appris la fiscalité ici. Et aujourd'hui, je suis à la fois comptable et fiscaliste. Là, pour moi, c'est un bon début. Pour moi, l'emploi, c'est la clé de l'intégration dans la société. Sans emploi, franchement, ce n'est pas tout à fait intéressant, l'immigration. Et puis, ce n'est pas vraiment une réussite quand on n'a pas encore... Dans un premier temps, j'ai été voir des organismes d'aide à l'emploi. Et là, ça m'a permis de mieux connaître comment le CV est fait dans le contexte canadien. Et effectivement, ça m'a permis aussi de connaître le marché canadien. Et c'est à travers ces organismes de recherche d'emploi que j'ai pu décrocher mon premier emploi en Italie. Et puis en travaillant, on socialise facilement, on rencontre du monde, on élargit notre réseau de contacts, ce qui nous permet de mieux connaître les réalités de notre pays d'accueil. J'arrivais au Canada à peu près 3 ans avant. J'ai commencé à faire mon cours de francisation au Cégep. Et après, j'ai cherché un organisme qui pourrait m'aider à trouver un emploi. La première étape, c'est déjà de commencer à être encadré par des professionnels. Ça fait gagner beaucoup de temps, ça permet d'avoir du soutien moral déjà. Et surtout, on s'adapte au marché du travail au Québec, qui n'est pas tout à fait le même que partout. Donc, première étape, rencontrer un professionnel pour refaire son CV, pour suivre exactement ce qu'on vous demande de faire, en tout cas avec un minimum de rigueur. Et surtout, une fois que, même quand on ne trouve pas, ne pas se décourager, s'appliquer au jour le jour. Et trouver un emploi, il n'y a rien de plus réjouissant que ça. Puis ça m'a permis de m'épanouir sur le plan professionnel, sur le plan personnel et surtout au niveau de ma famille. Donc il y a moins de stress et il y a cette envie de toujours aller de l'avant. Donc trouver du travail, ça a transformé ma vie en tant qu'immigrante. Ça fait maintenant 9 mois que je suis sur le marché du travail. Ça marche très bien. Donc chaque jour, il y a des nouvelles responsabilités. Chaque jour, il y a de l'amélioration. Chaque jour, il y a de l'apprentissage. Et puis, le lien de confiance entre moi et mon patron, les collègues, ça marche très bien. Grâce au travail, j'ai pu découvrir le Canada, j'ai pu m'intégrer à la société québécoise, de plan de vue marché de travail et de plan de vue social. Trouver un emploi, ça permet de faire partie désormais de la société. J'ai mon appartement en si peu de temps, je rencontre de nouvelles personnes tous les jours, ma vie est plus organisée en fait, je me réveille comme tout le monde, je vais travailler comme tout le monde, je descends comme tout le monde, j'apprécie mieux mes week-ends, tout roule.